Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pillars of Eternity. Et on en était au level 4 des chemins infinis. Alors, comme j'ai regardé en fait un petit peu, avoir pris la fosse nous a fait descendre du 2 au 5 au niveau des niveaux, je crois bien. Donc on va on va commencer par essayer de remonter à la surface en se baladant dans les niveaux qu'on n'a pas explorés avant. Voilà. Tout simplement. Je vais essayer de faire en sorte aussi d'explorer ces niveaux et après je vais remonter pour vendre un petit peu tout le bordel qu'on a accumulé. On a intérêt à faire super gaffe à certains de nos personnages. On voit que typiquement Durance, il est à court d'endurance. Mais on est quand même pas très très frais. Je sais même pas si on va pouvoir vraiment explorer ces niveaux ou si on va être obligé de rebourser le chemin avant. On va voir. Alotte. Ouais, Alotte, il a pris très 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 cher. Alors, Myrine, invocation. Rapprocher et faire un seul consacré. Nous, on va continuer d'essayer de tuer cette saloperie. Bon bah, c'est fait. Allez, invocation de squelette. Et on va attaquer la base majeure. On va lancer un petit peu de soin. Voilà, allez. Le scarabée de pierre. Pas trop trop mal. Ça s'est pas passé trop trop mal. On save. Ouh. Résolution, un sabre à une main. Annihilation, multiplicateur des dégâts, machin, critique, ouais, des écorchures, couverture en coup, ouais, de qualité, ouais, wow, superbe sabre du coup. Superbe, superbe sabre. Alors. Qu'est-ce qu'on a par là? Donc ouais, la tête de cette énorme statue. Cet énorme visage semble avoir été sculpté dans l'Adra vivant. Chaque ligne est lisse et bien droite. Ouais, c'est vrai que c'est un peu impressionnant quand même. Alors... un coup direct. Bah, elle attaque les gars quand même. On est pas là juste pour comment pour rigoler. On, comme d'hab, on invoque. Super résistant ces scarabées, c'est assez impressionnant. Ouh.
3 de moins. Toujours rien de faramineux au niveau du loot. Et on va continuer. Ouais, donc là pour le coup il n'y avait pas d'autre chemin, il y avait un escalier qui descendait ou qui montait, je ne sais plus. Ici on n'a pas été voir. Ouais, chaque niveau est une sacrée aventure quand même, hein. J'ai l'impression que les chemins infinis portent assez bien leur nom pour le coup. Et que ça va pas être simple de s'en sortir sans encombre. On va essayer de mettre à mal cette saloperie pendant que Kairos s'occupe de l'autre. Voilà. Bien. On progresse doucement, mais on progresse sûrement. Une grande salle. En règle générale, j'apprécie assez peu les grandes salles. Il s'agit d'une vieille histoire d'épouvante à Ediran sur un dîner hanté. Charmant. Du pognon. Ah, mince, j'aurais pas dû cliquer directement. Je pensais que... Je sais pas ce que je pensais, mais je pensais mal. Waouh, là 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 là. Pas se tirer. En plus on est réparti n'importe comment. Ça va être la merde, hein, quand même, là je pense. Oh là 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 là. Quelle vieille galère. Allez, on va essayer de faire au mieux. Ça va pas être simple. Ah là là, le pauvre cercle de protection, essaye de faire ce que tu peux. Voilà, bien. Donc là on est remonté au niveau 3, mais niveau 3 qu'on n'a pas encore exploré, donc c'est pas du tout ce que je voulais faire. On va quand même looter, hein, ce qui se trouve ici. Une armure en peau de qualité. Qu'est-ce qu'on a à nous? Une armure en peau légère de qualité, oui, parce que je l'ai enchanté également. Je vais juste voir le skin qu'elle a. Voir si c'est un petit peu, si c'est un petit peu classe ou pas du tout. Ouais, c'est pas dingue. La différence est pas complètement dingue. Mais elle a le mérite d'être original. Je vais filer l'autre qui est meilleure que celle d'Artus. Bah Artus, tout simplement. Hop là. Et on va redescendre à l'étage inférieur. Qu'on n'avait pas fini de visiter. Donc pour petit rappel, hein, on a visité totalement l'étage 1, 2, 5. Là, on est en train de faire le 4. Mais je crois qu'il va falloir qu'on campe, hein, parce que c'est un peu compliqué autrement. Je voulais pas utiliser mes réserves de matériel de camping, mais je crois que j'aurai pas le choix. Vu la difficulté les ennemis qu'on rencontre ici. Encore une grande salle des putains de trolls. Barrez-vous, voilà. Troll. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'utile? Non, on ne peut pas spécialement faire quelque chose d'utile ici. Il n'y a pas beaucoup de sorts qui vont nous aider. Ils sont pas assez nombreux pour qu'on balance, qu'on se permette de balancer des... Voilà. Je te balance ça dans les dents et je ne te fais absolument rien.
Bien joué, Alotte. Ça a été court et inutile. Bon, allez, c'est parti. On va essayer de faire au mieux. Lui, il va prendre son arquebuse. Notre ami va attaquer tout simplement comme ça. Pour l'instant, je vais essayer d'économiser mes sorts. On va voir si c'est gérable. Pour l'instant, ça semble pas trop mal. On va ajouter les renforts nécromantiques à l'attaque. C'est quand même super résistant ces trucs. C'est super résistant. On a bientôt fini un. Bientôt, je dis bien. Ah, ils sont 4 quoi. Pff, galère. Bon bah, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire à part taper dessus. Hein. Et réinvoquer du squelette. Et à l'attaque, les gars. Pendant qu'on essaye de faire du mal à celui-là, tant bien que mal. Et les squelettes se font défoncer, quelque chose de bien. Allez, on y croit qu'on va arriver à tomber cette saloperie. Bon, allez, on va utiliser quelques sorts. Le feu, j'imagine que le feu, ça peut être assez efficace. Allez, on y croit. Bien joué. Il en reste plus qu'un, ça devrait bien se passer. À l'assaut. Voilà, donc cet enfoiré est attaqué de toutes parts et il finit par se faire défoncer, c'est parfait. On a de la peau de troll à vendre pour les 10 prochaines années. Parce que nous on est comme ça, on n'hésite pas à piller les tombes, on en a rien à foutre. Ah, Myrine prend quelques coups quand même. On va utiliser nos sorts. C'est gratuit, on va pas se priver. Ah. Alors on progresse tout doucement dans l'exploration de ce niveau. Encore de la thune. Bon, a priori il n'y aurait qu'un passage. Ah, il n'y a pas eu, il y a un passage, mais il y a des emmerdes. Cours, ok, tant pis. Allez, stratégie habituelle. Voilà. On n'en parle plus.
En mode exploration, les gars, on fait pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Donc là, depuis là, on voit de la vase noire, je sais pas pourquoi on la voit depuis là. Encore un troll. Waouh. Donc là, on a des vases, des limons, des trucs, toutes des couleurs. Non, non, à l'attaque. Alors, on va lancer une zone de défense. Nous, on va bourriner ces saloperies. Alot, s'il te plaît. Ne sois pas trop débile. Bien joué. Cher, on va lui balancer un gros soin avant qu'il lui arrive des bricoles. Trop tard, bien joué. Tiens, tu peux crever, troll de merde, merci. Que tout est invoqué pour attaquer toutes ces saloperies. On balance une effigie, on balance ce qu'on va utiliser un peu nos sorts, il n'y a pas de raison. Voilà. Encore des trolls à la con. On continue de balancer nos spells. Le troll devrait bientôt y rester. Non, pas. Allez. Allez, on va essayer de tuer ces deux trucs rapidement. Voilà. Hop, une petite save. Donc avant de s'aventurer un petit peu plus loin, on va aller. Bah de toute façon je crois qu'on est. Ouais voilà, on est déjà passé par là. Donc on va aller par là. On va prendre les potions. Un arc de chasse de qualité. Ouais. Un piège. On se casse vite. Et on attaque ça. Alors, bon, donc du coup, comme on a pris un piège dans les dents dès le début, on va lancer un sort de soin. Très très vite. Il va se lancer une imposition des mains, Kairos. Kana va reprendre ses armes de corps à corps et arrêter avec cette merde d'arquebuse. Myrin, invocation. Kana, invocation. Ça se passe pas trop trop mal.
retourner stun, on dirait. Non, il veut juste pas attaquer. Tant pis. Voilà. On va terminer avec ce truc. Bien. Très guerrier, hein, donc les derniers épisodes qu'on tourne en ce moment. Bah, je crois que ça va être comme ça tout le long de ces chemins infinis. Je pense pas que je les ferai tous d'un coup, hein, je pense que j'aurai pas le niveau. Hein. Il suffit de voir le level 5 déjà comme c'est la galère. Persévérance, un arc de chasse à deux mains, un truc unique, très bien. Très très bien même, je dirais. Qui c'est qui va prendre ça? Pour l'instant Myrine. Pour l'instant Myrine. À qui on va le donner? Donc lui il a pour l'instant une baguette de qualité. Un sceptre de qualité. Un arc de guerre de qualité, mais il sert plus de sa lance qui est même pas enchanté. Donc c'est un peu la. C'est un peu la. Un peu la loose en fait. Et lui qui a une arquebus pourrie. Je vais prendre l'arc avec Myrine. J'y vais donner l'arbalète à Kana. Voilà. Très bien. Et on reprend. On va arriver au bout du niveau. Piège détecté. Très bien. Sceau de contremaître en héliotrope. Ce sceau d'origine aiguitane est composé d'un morceau d'adra blanc circulaire façonné autour d'une gemme héliotrope, une épée est gravée au dos. Un plan d'expédition. Une page, je veux dire. Ok. On prend tout ça. Étudier le mystérieux sceau. Bah ouais, ouais, avec joie. Avec joie, mec. Troll et autres saloperies. Au moins cette fois, on est à portée. Allez. Truc. Artus, il lui reste un sort encore. Très bien. On va continuer. Myrine de l'invocation. Kana. Waouh là là, quelle vieille galère, je m'attendais pas à ça. Kana. Alors, nous on a utilisé nos sorts de zone, tous sauf la boule de feu. On va laisser tomber l'idée pour l'instant parce qu'on n'a pas de portée, enfin on n'a pas de vision dessus en fait. Flamme estivale. Nos invoques s'en sortent toujours très très bien et ça fait toujours plaisir. Non. Le tank par là. Myrine par là. Allez. Kairos balance des coups d'épée enflammés sur cette saloperie. Nickel. Il en reste une. Je
Et on save. Map, map, map. Un escalier qui monte, un escalier qui descend. C'est nickel. Bon, bah cet étage est fait de nouveau. On va donc passer à l'étage 3. Donc l'étage 3 qui était là-bas. Fatigue majeure pour l'ami Alot. Il va bientôt falloir qu'on se comment qu'on se repose. Un vin de précision, etc., etc. Il est vraiment pas frais, Alot. Il faudrait un petit peu que je lui mette de la survie, hein, ça c'est clair. Voilà, donc un étage que je n'ai pas exploré et où on voit... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un ogre cette fois. Allez. On va essayer d'allumer ce truc, parce que ça n'a pas l'air super résistant. Ça n'a pas l'air de prendre des masses de dégâts non plus, cela dit. Voilà. Très bien. Du sang d'ogre. Non, on va pas se reposer maintenant, j'ai pas envie. D'accord, bon. Bon bah Kairos mon ami, je suis désolé. Alors, ogre druide, ogre et ogre. Waouh. Ah ouais, ça c'est la merde par contre. Autant vous dire que là c'est la galère. On va essayer de gagner du temps pour pouvoir balancer des invoques. Ouais bah de toute façon nous on a plus de sort. Voilà quoi. Balancer une boule de feu dans la gueule. On va se rapprocher pour essayer de. Oh, c'est fait déboîter. On s'est fait complètement déboîter. C'est quoi ça? Ah, ça c'était une mauvaise idée, c'est ça. C'était juste ça. Alors. Bon. On va essayer de lancer un saut d'interdiction qui me permettrait éventuellement d'en stun quelques-uns. On va bien sûr balancer des invocations. Quant à l'ami Alot, bah ça va être du projet magique, hein, je vois pas autre chose. Ah, chaise, il a chaise. Le pauvre Artus a rejoint. A rejoint les autres dans la. Pas dans la mort, mais un peu quand même. Quel est le plus blessé? C'est cet ogre là. Oh, ça fait tellement rien. D'accord. Bon, bah je crois qu'on peut charger. On est bon pour charger la sève rapide. Hein. Ouais, c'est violent comme, comme coin.
Ok. Donc c'était pas la sauvegarde rapide qu'il fallait faire, c'était la sauvegarde automatique. Voilà. Bien joué. D'accord, donc en fait, j'avais même pas tué cet ogre là. Je vais tenter d'attirer les autres, si je peux. Trop tard. Petite save. Alors, cette fois. Très très vite. Non, pas toi, toi tu fais du soin, j'ai dit. Tous les autres attaquent, c'est saloperie. Oh là 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 là. Wow. On prend vraiment vraiment très 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 cher. Ok, donc Myrine est tombée. On va dire que ça va être coton pour la suite, hein, du coup. Ils sont tous tout neufs, ou pas loin. On en a abîmé un, mais... Il va de soi que c'est pas suffisant du tout. J'ai plus de soins. On va invoquer des squelettes. Voilà, ça devrait arranger un peu les choses, mais juste un peu. J'apprécierais qu'il y en ait qui commencent à crever par contre. Pas l'air très motivé à crever. Lance de feu, allez. Durance, Durance qui tanque, ça va être épique, je pense. Voilà. Ça a été aussi court qu'inutile. Ils sont tout neufs, on pourra pas, on pourra rien faire. Ok, bon, allez hop, charger une partie. On s'en sortira pas comme ça. Ok.
De toute façon, ça va être la fin de cet épisode. On se les fera à l'épisode prochain. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, bye bye!